Togo Info, le Togo à votre portée. Nous sommes venus, vous avez écouté ce que nous avons dit, le message que nous portons. Nous sommes venus présenter un meilleur vœu de bonnes et heureuses années aux populations du marché d'Adito Pomé. Nous leur avons présenté nos meilleurs vœux de bonnes et heureuses années, de santé, de prospérité. Vous savez, tout ce que nous sommes au début d'une nouvelle année, c'est de coutume que cela se fasse. Et nous leur avons présenté donc ces vœux et nous les avons exhortés en même temps à sortir massivement pour aller voter le 22 février prochain, qui est la date donc de la présidentielle. Nous leur avons dit qu'il est important, nous savons tous qu'ils sont découragés, que ces populations sont découragées, mais nous les avons exhortés à sortir massivement pour aller voter le 22 février prochain pour que nous puissions avoir l'alternance dans notre pays. De toutes les façons, la campagne va s'ouvrir bientôt et nous allons nous y mettre comme tout le monde. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que nous puissions gagner. Vous savez que gagner une élection, c'est aller vers les populations, ce sont les populations qui votent. Il n'y a pas une autre méthode. Donc la campagne va s'ouvrir, nous irons vers ces populations et pour donc les acquérir à notre programme et pour que ces populations puissent voter pour nous. Et vous savez que dans quelques jours, la campagne va s'ouvrir. Mais nous sommes déjà sur le terrain et comme je l'ai dit, nous demandons à ces populations de ne pas se décourager, de se mobiliser pour que le jour venu, qu'elles puissent sortir massivement pour aller voter. Nous leur avons expliqué que c'est vrai, que les choses sont difficiles, ça fait longtemps qu'elles votent et cela ne donne aucun résultat. Mais de toutes les façons, la victoire viendra un jour et personne ne sait si donc c'est ça, moi-même, moi je crois que le Seigneur va faire quelque chose à travers ces élections. De toutes les façons, c'est pour cela que nous-mêmes nous sommes là. Et quand vous arrivez comme ça, vous voyez, hein, vous touchez du doigt les difficultés que les populations ont. Vous voyez tout ce que ces populations vivent au jour le jour. Et c'est pour ça que nous sommes descendus nous-mêmes dans le marché, pour vivre ces choses. Et en plus de ça, comme vous l'avez dit, elles nous ont fait part, ces populations, de leurs difficultés au quotidien. Nous en avons pris bonne note. Tout ce que nous demandons, c'est que nous puissions arriver, donc, arriver à la tête de ce pays pour qu'un jour nous trouvions des solutions à tous ces problèmes-là. C'est notre ambition. Nous ambitionnons de diriger ce pays un jour. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et nous pensons que cela viendra.